Ronaldo qui s'élance et c'est le but. Goal. Cristiano. La tête de Cristiano et le but. Goal. Goal de Cristiano. C'est comment son autre ami Ronaldo. Tu penses trop, caca tu es nul, caca tu es nul. Le but de la Finlande, le but de la Finlande. Quelle surprise! Qui va retrouver Dimitri Payet, c'est magnifique. Payet dans la surface. Et Dimitri Payet qui vient illuminer encore un petit peu plus cette soirée marseillaise. Le talent. L'extérieur du pied pour Naby Keïta. Attention à Poulsen. Oh, l'arrêt de Johan Pelé. Décisif sur cette frappe de Youssouf Poulsen. Maxime Lopez avec Sakai qui a le but de retour. Oh, oui. Hiroki Sakai. Oh, oui. Hiroki Sakai. Le symbole est énorme. Le symbole est gigantesque. L'irréprochable Hiroki Sakai. On est en Italie, le Giro. C'est la dernière, c'est l'avant-dernière étape de montagne. Nous sommes les derniers. Tomel Pino va-t-il remporter sa première étape sur le Giro? Pino qui peut encore gagner le Giro. Accélération de Pozzovivo. Ouais, avec Quintana en rose qui était parti au départ. Zaccari, Nibali, Pozzovino qui sont pas loin. C'est Pozzovino qui a lancé le sprint. Il reste quelques hectomètres, comme on dit, quelques dizaines de mètres même. Pino nous fait rêver, Pino nous fait rêver. Allez, il va, il est quatrième du classement général ce matin. Va-t-il passer à la troisième position ce soir? Il y a Zaccari. Ouais, oui, c'est Pino. Oui, c'est le Français qui s'impose. Oui, devant les Italiens. Oui, devant Quintana. Oui, devant Zaccari. Absolument, Thibaut Pino, il est là. Fino qui passe troisième au classement général, peut-être comme Fignon 89, peut-être comme Hino, ça va être extraordinaire. Oh, le but incroyable! Un ballon qui traîne et un joueur qui sait parfaitement quoi faire avec Alex Oxlade-Chamberlain. L'ancien d'Arsenal a la joie contenue, mais au but exceptionnel. Le nouvel entrant Curtis Jones pour Origi. Magnifique, 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 superbe! La tête, elle est trop enlevée, mais Ndiaye combat toujours dans la surface de réparation face à Zendel. Oh, quel but s'est jeté! But! Et l'égalisation! But de Bappé! L'égalisation de Bappé pour le Football Club de Metz qui va permettre au club de Carlo Molinari d'aller au pénalty! Incroyable sensation ici en Europe! Et Thiago qui est là pour repousser. Benzema pour le centre, Sivelli encore, Barros la frappe! Et le but! Un cadeau de la relance de Sivelli! Pour Milan Barros, encore une fois titulaire et marqueur peut-être décisif. Mario Götze. Centre de Mario Götze. Incroyable! Incroyable quintuplé! Robert Lewandowski pour un but d'anthologie sur le centre de Mario Götze. 5 buts à 1. Personne, pas même Pep Guardiola, n'en croit ses yeux dans cette Allianz Arena. Le Bayern survolté, galvanisé par l'entrée de cet homme, Robert Lewandowski, auteur très vraisemblablement du quintuplé le plus rapide de l'histoire du championnat d'Allemagne, avec en l'espace de 9 minutes un quintuplé. Et de quelle manière, s'il vous plaît? Il est bon. Jusqu'à Robben, s'il fait son contrôle, le contrôle de Robben est réussi, le crochet également, la frappe de Robben, 2 buts à 1 pour les Pays-Bas, encore un exploit individuel. Attention au contre, encore l'appel de balle de Robben, il va évidemment aller à la course Robben, face à Ramos, la prise de balle de Robben, le sprint, Arjen Robben, en route face à Casillas, attention encore, Arjen Robben, 5-1. Bien brossé par Messi. Quel ballon déposé dans le but d'Enyama demain. Kylian Mbappé pour le premier but. Thomas Lemar, le centre pour Valère Germain. Oui. Monaco est en demi. Valère Germain.
partiel et Berbatov. Berbatov face à la ligne de 0. Le contre, le contre monégasque. Pascal Berbatov. Allez, vas-y, allez, pourquoi frappe, pas frappe. Vas-y, pourquoi ouais pas. Ça revient, okay, ça revient, merci. Centre de Nasri sur Cissé. Celle-là, la bonne ouverture du score dans ce Marseille-Lyon. C'est signé Djibril Cissé. Il se bat face à Salah, il a récupéré ce ballon avec la frappe de Golmer. Oh, l'éclair, la foudre du pied droit de Mathieu Bolbert, quel but exceptionnel au meilleur des moments possibles pour le LOSC juste avant la pause grâce à une frappe magnifique de Mathieu Bonnemer. Le LOSC mène 1-0. Qui prend lui le ballon dans les pieds de Marco Verratti avec Gueye, Malmont. Oui, c'est dans le bon tempo pour Salomon Kalou, il y a un peu de bon poteau pour Mathieu Cornet qui va pouvoir frapper du pied droit. Et l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais à la 13e minute. Oh, c'est tellement rare de voir le Paris Saint-Germain mener que c'est déjà un petit événement de voir cette ouverture du score signée Maxwell Cornet. Prise avec Coman, avec le ballon pour Kanté. Kanté qui la met sur Payet, on s'approche. Payet la frappe. Oh, qu'il est bon. Oh, qu'il est bon ce but de Dimitri Payet. Quel but. C'est lui, c'est lui, quel c'est but lui qui libère l'équipe de France et qui va permettre aux Bleus de s'imposer 2-1 dans les dernières minutes. Dimitri Payet à la 89e minute. Rami qui saute, Griezmann. Oui, oui, oui. Au bleu et la qualif en 8e de finale.